Bienvenue dans cette vidéo, it's your boy Engel. Et aujourd'hui, on parle d'engagement. Engagement. Vous savez, nous sommes dans une société d'essayeurs. On essaye tout et n'importe quoi. On essaye l'école, on essaye l'université, on essaye le lycée, on essaye le collège. En fait, on essaye tout. Mais rarement, j'ai entendu des gens dire « je suis déterminé à faire ça, ça, ça ». En fait, on essaye ça, si ça ne fonctionne pas, on essaye l'autre. Alors, je pense qu'il est important pour nous d'être engagés et d'être déterminés à une chose. Peu importe les situations, sois engagé. Sois engagé, en fait, peu importe ce qui arrive. Vous savez, j'ai parcouru un peu le monde. J'ai beaucoup voyagé au fil des années. Et puis, toutes les personnes prospères avec qui je traînais, en fait, il y a un point en commun que j'ai remarqué, c'est que ce sont des personnes engagées. Ils sont engagés. Peu importe ce qui arrive, peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe ce qui peut se passer, ils sont engagés. Alors, c'est exactement ce que j'aimerais te dire. Il faut que tu sois engagé. Sois engagé envers tes objectifs, peu importe ce qui peut se passer. Sois engagé envers toi-même d'être la meilleure version de toi tous les jours. Prends cet engagement. On prend l'engagement pour l'école, on prend l'engagement pour plein de choses, mais on oublie de prendre l'engagement pour nous-mêmes. Sois engagé envers ta propre personne. C'est important. L'engagement va te permettre d'exceller. Le fait que tu sois engagé, ça va te permettre de continuer, même si c'est difficile. Parce que tu es engagé. C'est comme l'armée. Ils prennent la décision de s'engager. Ils signent un contrat qu'ils sont engagés. Alors, engage-toi. C'est très important. Alors, je vais te donner deux astuces pour être plus engagé. Ce qui va te permettre de continuer dans ton engagement. Première astuce, c'est quoi? C'est que écris ton engagement. Il faut que tu l'écris. Vous savez ce qu'on dit? Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il faudrait que tu aies un bloc-notes où tu écris tes engagements. C'est important d'écrire tes engagements. Si tu peux même écrire-les tous les jours, écris tes engagements tous les jours ou même chaque semaine. Mais c'est important, tu dois les écrire. Écrire tes engagements, ça va te permettre de pouvoir garder le cap. Écrire tes engagements, ça va te permettre de pouvoir rester concentré, de pouvoir les relire, revenir dessus. Il faut que tu écrives tes engagements. Donc, pendant que tu es en train de m'écouter, écris tes engagements. Alors, numéro 2, pour être plus engagé, tu dois passer à l'action. Tu dois appliquer ce que tu écris. Par exemple, tu es en train de me regarder, tu es en train de prendre des notes. Applique. Passe à l'action tout de suite. Ne passe pas le temps à réfléchir. Non. Ceux qui réfléchissent énormément deviennent paralysés. Ah. Ceux qui passent le temps à réfléchir deviennent paralysés. Écoute, ça fait un an que tu réfléchis sur ce truc. Ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans que tu réfléchis sur ce truc. Pourquoi tu n'es pas passé à l'action? Parce que tu n'étais pas engagé. Engage-toi envers toi-même, d'être la meilleure version de toi. Ça ne sert à rien de remplir ton bloc-notes de conseils que je te donne. Ça ne sert à rien de remplir ton bloc-notes de citations ou d'engagements si tu ne vas pas les appliquer. Je n'ai pas envie de te faire perdre ton temps, ni le mien non plus. Alors, c'est important pour toi, quand tu t'engages, applique, passe à l'action. C'est ce que tu appliques qui augmente la valeur de ce que tu sais. Je répète, c'est ce que tu appliques qui augmente la valeur de ce que tu sais. Prends la décision aujourd'hui de t'engager envers toi-même. Prends l'engagement envers toi-même de devenir la meilleure version de toi tous les jours. Et ce, peu importe les circonstances, peu importe la météo, peu importe les soucis de la vie, peu importe les mauvaises nouvelles, prends l'engagement d'être la meilleure version de toi-même. Le plus grand engagement que quelqu'un pourrait faire, c'est envers lui-même. Prends l'engagement d'être meilleur. Vous savez, la vie, ce n'est pas d'être parfait. La vie, c'est de s'améliorer chaque jour. Améliore-toi chaque jour. Prends l'engagement envers toi-même de t'améliorer chaque jour. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses pour moi, c'est que tu vas prendre une feuille et sur cette feuille, tu vas écrire ton nom, tu vas écrire la date d'aujourd'hui et tu vas écrire « Moi, je prends l'engagement de devenir la meilleure version de moi-même. Moi, je prends l'engagement de devenir la meilleure version de moi-même. » Et signe à la fin de ce papier. Trimballe-le, mets-le dans ton agenda, dans ta voiture, mets-le en fond d'écran, peu importe. Mais il faudrait que tu marches. Il faut que tu sois engagé. Lis même ton engagement tous les jours, tous les matins, ou tous les soirs, ou tous les lundis, ou tous les dimanches, peu importe. Mais il faudrait que tu sois engagé. Continue de lire tes engagements. C'est très important. Moi, personnellement, mes engagements, c'est dans mon agenda.
Tous les matins, quand je me lève, quand je regarde mon agenda, je lis ce à quoi je suis engagé. Je suis engagé à faire ça, à faire ça, à faire ça. Ça me permet de garder le cap dans la journée. Ça me permet, peu importe les circonstances qui vont arriver autour de moi, je sais que je suis engagé. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire, sois engagé. Prends l'engagement envers toi-même. Décide aujourd'hui que chaque jour, tu vas devenir meilleur à quelque chose. Tu vas t'améliorer chaque jour. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Andiel King, ton motivateur personnel.